pouvait redynamiser notre activité inventive. Voilà, alors, en fait, quand il théorise un peu cette idée du has found, eh bien, c'est notamment aussi à l'occasion du congrès des SIAM à Aix-en-Provence, je crois qu'en 1953, où donc, bon, cette équipe informelle du Think Ten va venir essayer de bousculer un peu les lignes en ramenant, voilà, une idée, voilà, un peu de l'ordinaire et de tout ce qui peut finalement être de ce quotidien, du simple, du quotidien, dans l'imaginaire de leur propre projet. Alors, nous, en fait, si vous voulez, eh bien, nous avons réfléchi aussi, sans pouvoir faire une relation directe avec notre travail par rapport à celui. C'était au fond, voilà, avoir un matériel disponible, voilà, un ensemble de choses qui fabriquent un territoire, et de se dire qu'on pouvait travailler avec ça, et bien évidemment avec tout ce qui fait la fabrication du projet d'architecture, mais voilà, travailler avec ça. Et donc, bon, là, je vais vous montrer une série de photos qui ont pour but modeste, un peu comme ça, de résumer, mais c'est une liste évidemment, une présentation non exhaustive de tout ce qu'on peut ressentir sur un territoire, mais on va dire, voilà, c'est un petit résumé un peu de ce qu'on pouvait voir dans les Alpes-Maritimes, c'est-à-dire par exemple un horizon, une mer, très abstraite d'ailleurs, hein, parce que Nice, c'est pas une ville vraiment balnéaire. Si ça a été une ville de villégiature, c'est pas, voilà, c'est pas une ville où on voit beaucoup de bateaux, de planches à voile, mais c'est plutôt une vision assez solitaire, d'absence et presque métaphysique de la mer. Voilà, donc on peut aussi regarder l'arrière-pays et puis voir les collines avec des restanques. Hein, donc ce sont des cultures en terrasse, hein, qui sont venues comme ça sculpter les versants des collines. Mais aussi comme le relief est très particulier, puisqu'on a des vallées, hein, comme ça c'est une espèce de pli continu entre mer et mont. Et donc l'homme a dû fabriquer des ouvrages pour franchir et relier ces villages, ces villes. Et donc voilà un pont, mais aussi ensuite après, eh bien il y a des ponts, voilà, des ponts plus récents, des ponts d'autoroute, mais qui aussi donnent une sorte de travelling de la côte absolument fascinant, puisque on alterne de pont en tunnel et on découvre, et plus particulièrement en Italie, encore là aussi, beaucoup de cultures de serres. Et aussi donc tous ces archétypes de ponts, de serres, nous ont influencés, nous ont charmés. Bon, alors bien évidemment, la Côte d'Azur, c'est aussi une version romanesque, si ce n'est romantique, un peu fantasmée et rêvée par tous les films qui ont pu s'y tourner, parce que eh bien voilà, c'est un lieu qui amène souvent comment dire, à l'émotion. Et là, c'est le film de La Main au Collet avec Grace Kelly et Cary Grant dans les années 50. C'est un lieu de l'audace où l'objectif, et lorsqu'on peut le faire, on a le droit de le faire, c'est de valoriser eh bien, la spécificité de la topographie et des sites, comme cet hôtel perché sur un rocher. Et donc aussi, il y a des bâtiments de la fin du 19e siècle qui vont fabriquer une dimension quasi dramatique d'ailleurs, et de la Côte d'Azur. Et vous voyez ce bâtiment du Musée océanographique de Monaco semble naître et comment dire, être l'extrusion de la roche. Mais aussi, c'est vrai que
La Côte d'Azur, c'était un lieu de la villégiature. Et donc, à la fin du 19e, début du 20e siècle, donc, il y a eu une série de bâtiments d'hôtels qui se sont construits de Nice à Menton, qui finalement vont venir y accueillir une population européenne, hein, anglaise, russe particulièrement, et qui trouvait donc toujours des sites extrêmement recherchés par les qualités de vue, de paysage. Et donc, ce bâtiment qui s'appelle le Riviera Palace, au-dessus de Monaco, faisait partie de ces exemples. Donc, c'est un bâtiment d'une centaine de mètres de long qui célèbre la question du panorama, vous voyez, de la vue et de la mise en relation avec la mer, mais aussi qui n'oublie pas pour cela, pour autant, la relation avec l'arrière, avec la montagne, avec le versant. Et dans cet édifice, bien, vous voyez une verrière magnifique d'un jardin d'hiver sur lequel s'ouvrent les coursives de desserte de ce qui est aujourd'hui un immeuble d'appartement, puisqu'il avait été, il y a bientôt une centaine d'années déjà, transformé en appartement. Pour relier tous ces bâtiments dans la pente, eh bien, plus particulièrement à Beausoleil, donc qui est une commune, une sorte de faubourg de la principauté de Monaco, eh bien, voilà, il y a des escaliers qui embrassent directement la déclivité et qui ont fabriqué comme ça des séries de cheminements piétons perpendiculaires à la pente. Alors, parler effectivement des archétypes, c'est parler des soutènements, des murs de soutènement, mais aussi de la matérialité, vous voyez qu'il fabrique. Et là, c'est une vision, une photo de moyenne qualité, mais de la citadelle de Villefranche, où ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est qu'elle a été construite sur le rocher qui après a été taillé, et que donc, vous voyez, la nouvelle matérialité rejoint la roche et coagule aussi avec elle. Mur de soutènement, c'est aussi voilà, amené à des typologies particulières comme ces maisons-murs du début du siècle. Mais aussi voilà, des architectes de la modernité comme Aileen Gray, qui, à travers cette petite maison, eh bien, voilà, vient aussi re-questionner la nature de l'installation sur un site méditerranéen, en venant poser cette petite maison sur un mur. Alors, vous voyez, en fait, dans tous les territoires, on peut dire qu'il y a à la fois, comme le disaient les Smithsons, il y a ce qui est à côté, il y a les bâtiments adjacents, et puis aussi, il y a parfois, comme la maison précédente, mais aussi comme cette unité de camping à côté du cabanon qu'avait construit Le Corbusier, qui témoigne, vous voyez, à un certain moment, de l'attrait de certaines personnalités, de certains architectes, pour ce climat, pour cette topographie, cette végétation et ce territoire. Et donc, eux aussi, s'ils ne sont pas des archétypes qui appartiennent, on va dire, à la nature même du territoire, qui sont venus être rajoutés, eh bien, ils font partie de cet imaginaire, de cette poésie, et puis, voilà, de cet imaginaire mental qu'on peut se construire. Là, ce sont des logements de Candidice Joseph Wood à la fin des années 60, qui reprennent voilà l'archétype des bâtiments en terrasse, ou cet immeuble à Monaco qui vient intégrer une route, voilà une route, une voie urbaine, et d'ailleurs par laquelle passe le Grand Prix de Monaco. Voilà, donc sans être forcément des archétypes, c'était des sortes d'objets trouvés qui nous amenèrent à nous poser la question de savoir comment installer des rapports intimes entre structure et paysage. Oui, parce qu'en fait, au-delà de tout ça, c'est vrai que il faut pas être en même temps
totalement littérale. Et c'est ce que j'ai dit peut-être avant de démarrer cette petite intervention. Voilà, ce que nous avons cherché, c'était, ou ce qui est arrivé à nous, c'était d'une certaine manière une sorte de parfum, comme l'a dit Walter, un arôme de choses qui sont là et qui vont, à un certain moment, venir nourrir une pensée du projet ou, voilà, à des degrés divers selon les projets. Mais bien évidemment, alors peut-être, vous verrez que ces relations ne sont pas si évidentes, mais, ou alors qu'elles le sont trop, mais le parcours que je fais là maintenant, en fait, il vient, là aussi, bon, il faut peut-être échapper à la caricature, c'est un peu un retour en se disant, eh bien, quand même, on pourrait associer cet élément à ce projet. Voilà, donc ce groupe scolaire, il se trouve sous une voie qui est une route départementale, hein, il est surligné ici, et il domine donc tout le quartier de Beausoleil et de Monaco en dessous. Et donc, voilà, une coupe qui pourrait résumer l'intention, c'était de travailler par une sorte de nouveau sol, de reconstituer une topographie à travers des sols artificiels qui seraient une sorte de métaphore de la restanque. Et donc, à travers ça, de percevoir en aval, hein, par ce projet comme un projet qui s'intègre parfaitement et qui suit par sa morphologie même les courbes de niveau, puisqu'il est d'une certaine manière en train de les reconstituer, mais aussi qui... voilà, comme tout à l'heure, je vous ai montré les restanques, eh bien, qui vient se révéler depuis les hauteurs, depuis la colline, comme voilà une série de trois plateaux qui se déplient, une sorte d'éventail, mais qui est voilà l'occasion de créer des cours, de créer des lieux, puisque voilà un parking, des cours, et tout ça à partir, eh bien, oui, d'une manière de retrouver l'horizontale, de regéométriser le terrain, comme le font, ont pu le faire tous les gens qui ont construit des cultures en terrasse. Voilà, donc dans ce tout petit projet à Aise de quelques logements sur un terrain extrêmement en pente, eh bien, on s'était dit que voilà, on ne pouvait pas faire de jardin, on devait mettre les parkings quelque part, et que donc, au fond, finalement, l'objectif, c'était de faire une sorte de poutre habitée avec un accès et un stationnement donc sous cette poutre, et puis de venir fabriquer, puisqu'il n'y avait pas de possibilité de faire de jardin, des solariums. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est la traduction architecturale de cette idée, vous voyez, d'une grande portée, de parking qui se glisse dessous, de toitures habitées par des solariums, qui viennent célébrer, là aussi, d'une certaine manière, l'idée, de, compte tenu de la finesse de ce bâtiment, d'en faire voilà, une poutre habitée s'ouvrant de l'autre côté sur le paysage et sur la vue. C'est ce qu'on voit ici. Donc, se soulever, voyez, franchir, enjamber, soutenir. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que finalement, ça a été un travail empirique. Voilà, on ne peut pas dire, on n'a pas théorisé avant de construire. On a réfléchi en faisant. Et donc, de projet en projet, essayer de développer, de faire varier, d'aborder sous des angles un peu différents, selon les programmes, selon, évidemment, la nature des lieux, ce travail. Et donc, dans ce bâtiment qui était au départ une crèche, qui, par la nature des choses, est devenu un tout petit peu plus qu'une simple crèche, mais... Voilà, à la fois une manière de traiter
voyez le lien entre un jardin en bas et puis une voie au-dessus, en amont. De travailler aussi sur cette thématique des sursols, des nouveaux sols, pour fabriquer une sorte de stratification programmatique et d'image, là encore, de la restanque, du plateau, qui va venir, au fond, servir de socle à quelque chose d'un peu plus grand qui est une colline. Qui est une colline avec, voilà, la colline du cimetière, avec une voie. Et puis, le projet, au fond, eh bien, il reprend cette idée, voilà, du plateau utile. Mais en restant, vous voyez, c'est pas une vision théorique, c'est en restant très fortement, fond, en relation intime. C'est pour ça, avec ce qui se passe au-dessus et avec ce qui se passe devant, c'est-à-dire la présence d'un vieux jardin avec une maison ancienne. Et donc, au fond, de se dire, on va plutôt appartenir au paysage qui est derrière, c'est-à-dire voilà, comment dire, des soutènements, des restanques, un étagement, et d'être une sorte de mur du fond. Alors, je n'entends plus rien, mais donc je vais dire, je continue. Alors, là, on est toujours sur le territoire voisin, c'est le nord de Nice, un quartier qui s'appelle l'Ariane. Eh bien, sur ce projet, un concours demandait de réfléchir à et voilà, de réfléchir à l'installation d'un futsal, c'est-à-dire un terrain de football en salle, mais aussi avec la possibilité de transformer au cours des études ce bâtiment en un gymnase de type C, c'est-à-dire un grand gymnase multisport. Voilà. Et donc en fait, la réponse que nous avions faite était de dire, eh bien, on va faire tout de suite un terrain multisport en toiture pour pouvoir conserver ce qui était difficile si on voulait éventuellement changer le programme, de garder cette relation transversale entre à gauche un fleuve et à droite la ville, et que le bâtiment, par sa transversalité, crée le lien entre la nature et l'urbain. Et là, on peut le voir sur cette maquette. Et donc, cet équipement, ce petit équipement, qui est aussi presque une porte de ville, quand on le regarde comme ça, on en voit la dimension programmatique. Mais en fait, c'est sur cette image-là où peut-être on peut apprécier le rapport d'échelle entre le péristyle qui vient clore la partie sport extérieur, hein, très en relation avec une relation incroyable avec le paysage, mais aussi, au fond, le passage des grandes piles de l'autoroute, qui donc d'une certaine manière, vous voyez, cette image, elle résume un peu pas mal de choses. La résonance, voilà, entre au loin une infrastructure, ce projet, le fleuve, qui est souvent un fleuve de cailloux, sauf lorsqu'il y a évidemment des crues qui peuvent être terribles, et la relation avec la ville. De projet en projet, même si, vous voyez, là, l'ordre n'est pas forcément l'ordre chronologique, hein, n'est pas forcément respecté. Eh bien, à Villefranche, dans un terrain, voilà, que vous voyez en surligné ici, un très long terrain très très fin, c'était l'occasion, là aussi, de se poser la question, eh bien, de l'espace scolaire dans un lieu très contraint. Mais aussi de ramener à soi et à nous l'idée du chemin de ronde, du lieu, voilà, comme on peut en trouver à Villefranche-sur-Mer, c'est-à-dire des chemins qui longent, qui sont voilà, affichés sur des murs de soutènement et qui ressemblent un peu, voilà, à des sortes de digues au-dessus de la mer. Et donc, en fait, ce projet, c'était aussi ramener un peu cette idée d'une promenade architecturale à travers un petit bâtiment, c'est-à-dire d'aller
du point le plus bas, cette petite cour protégée jusqu'au toit, eh bien, voilà, sans emprunter un escalier, mais seulement des rampes. Et puis, voilà, d'avoir toujours une relation forte avec le paysage proche, qu'il soit côté maritime ou, voilà, ou alors les jardins qui habitent ce versant de Villefranche. Et donc, vous voyez, la question du franchissement, elle retrouve ici eh bien, une, comment dire, je ne vais pas dire une justification, pas dire une illustration, voilà. C'est-à-dire qu'avoir cette cour basse sans poteau, c'était se dire qu'on allait, là aussi, pour vaincre la contrainte de cette géométrie voilà, très forcée de la parcelle, c'était de trouver un système technique pour pouvoir franchir à peu près 18 mètres entre des points porteurs et fabriquer au fond un espace comme ça, comme s'il était créé par un soulèvement et de cette petite cour. Et il n'en demeure pas moins de quand même considérer qu'on avait des passerelles qui enjambent, voilà, qui enjambent la cour et qui sont incarnées par ces volumes en biais. Et donc toujours dans cette commune, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir dans un territoire qui est relativement, eh bien, réduit par rapport à l'Île-de-France, eh ben, c'est de pouvoir, au fond, pas très loin, refaire un projet avec, au fond, un nouveau programme, un nouveau terrain, mais en même temps, là aussi, une familiarité du territoire et des questions qu'il pouvait soulever et proposer. Et donc, à travers ce programme qui est donc de l'hébergement pour les chercheurs en océanologie, hébergement, mais aussi salle de travail, pardon, laboratoire, en partie basse. Donc, c'est un projet qui était, comment dire, voilà, qui se trouve derrière un bâtiment existant, qui est enclavé, et donc qui nécessitait des dispositifs de désenclavement, puisqu'il fallait faire monter des voitures, des livraisons. Mais c'était l'occasion aussi de nous souvenons, voilà, de l'hôtel Riviera Palace que je vous ai montré tout à l'heure. C'est se dire qu'au fond, entre mer et montagne, on peut aussi garder les deux et ne pas forcément choisir l'un au détriment de l'autre. Et se dire que pour ça, c'était, comme dans cet hôtel, fabriquer un arrière, fabriquer une intériorité, fabriquer une sorte de salon protégé, parce que au fond, voilà, l'exposition à la vue, le panorama, c'est aussi une dimension qui est parfois même terrorisante, tant elle peut être présente. Et donc, c'était de fabriquer, voilà, un arrière de qualité. Et donc, pour cela, eh bien, on voit que l'équerre abritant toutes les chambres, eh bien, elle vient refermer, se poser sur une autre équerre qui, elle, en son cœur, va fabriquer un patio, un salon un peu à l'abri des vents, à l'abri de la chaleur. Voilà, un lieu particulier pour se remettre en relation avec la mer et la montagne. Voilà, et donc, bon, je n'ai pas besoin de trop le dire, mais voilà, le franchissement à travers, là aussi, une poutrabilité. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce premier travail. Ben là, on est allé un peu plus loin, c'est-à-dire franchir 25 mètres à travers un bâtiment. Et voilà, c'est une performance, mais en même temps, elle vient au service, vous voyez, d'une mise en relation entre ce bassin qui va être en nombre permanente, et qui participe à un dispositif environnemental, c'est-à-dire que l'air qui vient de la rade de Villefranche, voilà, va passer au-dessus du bassin, dans l'ombre, sous la poutre habitée, dans l'ombre permanente, et va venir rafraîchir le patio les jours de grande chaleur. Et donc, voilà, d'une certaine manière, on est dans un dispositif qui est à la fois environnemental, architectural,
qui est aussi influencé par les expériences précédentes, mais aussi ce qu'on pourrait appeler donc l'arôme et le parfum de ce qu'on pourrait attendre d'un projet qui se trouve voilà, dans le sud, un lieu où des chercheurs, des étudiants vont se retrouver et comment les mettre dans un état un état spécifique, c'est-à-dire de refabriquer une sorte de paysage par le projet. Vous voyez donc la partie dans l'ombre, c'est cette partie qui est enjambée par le bâtiment poutre. Et mais donc, il s'est trouvé que nous avons décidé à un moment d'essayer d'élargir notre territoire et d'aller dans un ailleurs qui fut donc un dépaysement, puisque nous avons, à travers un premier projet qui était le pôle universitaire de l'ENSAE à Saclay, eu l'occasion de faire un projet loin de nos bases. Et dans cet univers de références, de souvenirs, d'envie qu'on peut avoir, par exemple, dans des paysages d'Île-de-France, avec un climat, une lumière totalement différente, souvent parfois une brume du matin, on va dire où l'air est différent, c'est même là la qualité de l'air est différente. Il y avait chez nous et chez moi en particulier une sensation de flou, c'est que le paysage était plus flou par rapport à la Méditerranée. Et donc à travers ce très beau tableau de Gerhard Richter, après j'avais fait une petite aquarelle floue. Et qui venait un peu parler de la nature de l'air, du paysage un peu vibrant du plateau de Saclay, et qui après, quand le projet s'est incarné, un projet qui est une figure d'un carré avec un patio, donc qui reprend aussi d'une certaine manière un travail sur cette question du cloître, sur la figure du cloître. Déjà exploré modestement avec plusieurs projets précédents, mais qui là se trouve en lisière du plateau de Saclay. Et donc, ce bâtiment, au fond, c'était plus le travail de la masse, vous voyez, de l'épaisseur, du contraste entre l'ombre et la lumière qui était en jeu, mais pas du tout, donc la lumière qui écrase tout détail est complètement effacé. Mais là, on pouvait jouer une dimension en filigrane où la lumière vient comme ça, très légèrement faire vibrer, mais aussi la nature des végétaux autour, c'est-à-dire tous les arbres à feuilles caduques qui vont comme ça vibrer au souffle du vent sur le plateau. Et ce flou, on l'avait essayé de le retranscrire dans un sens, mais aussi dans l'autre, c'est-à-dire de venir comme ça un peu le découper à travers la géométrie structurelle de ce bâtiment tout en acier, qui était tel un pavillon comme ça posé dans un parc, pavillon qui peut être éphémère parce que le métal, on peut le démonter, mais qui, à travers cette exostructure, a fabriqué, je reviens un peu en arrière, une écriture du bâtiment, mais aussi finalement un découpage du paysage dans l'autre sens avec ces grandes jetées qui viennent s'affranchir le bassin d'orage. Et dans les loggias qui sont ménagées aux quatre angles du bâtiment, on a quatre paysages, quatre visions du plateau. Et ça a été rendu possible par cette structure
donc cette exostructure un peu arachnéenne et très méthodique, si vous voulez, qui voilà, fabrique complètement à l'intérieur et à l'extérieur l'architecture de ce programme. Alors, dans ce nouveau territoire, eh bien, on a pu, comme ça, travailler sur aussi, d'une certaine manière, un domaine maritime qui était peut-être loin de la Méditerranée et pourtant qui parlait de relations finalement entre aussi la terre et l'eau. Mais en l'occurrence, là, c'est sur le canal de Pantin. Dans le 93. Et là, ce que vous voyez, ce sont les magasins généraux, qui est un bâtiment vraiment, heureusement, qui n'a pas été démoli. Dans ce déjà-là, qui avait été largement squatté et tagué, et qui donc a été transformé par Frédéric Jung en bâtiment tertiaire. C'est une agence de publicité. La présence de ce bâtiment industriel, voilà, nous a aussi influencé, nous a porté. Et là, s'il s'agit bien là d'un, il s'agit pas d'imitation, il ne s'agit pas de référence caricaturale et littérale, mais véritablement à un certain moment de se sentir habité par un parfum, par un arôme. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, en continuant ce travail sur les exostructures qu'on avait entamé avec le projet de l'ENSAE, eh bien, de construire là aussi, à travers une sorte de trame et de bâtiment comme une œuvre de Sol Lewitt, c'est-à-dire véritablement une trame qui se projette sur l'extérieur, hein, qui est à l'intérieur et à l'extérieur, va devenir la meubler d'une certaine manière par du logement. Mais cette trame, elle aussi vient se soumettre à une figure qui est la figure du cloître et qui était intéressant de montrer que cet archétype voilà, du bâtiment à patio ou voilà, à cour, eh bien, pouvait être à la fois s'adapter ou à des programmes tout à fait différents, que ce soit voilà, des programmes d'équipement d'enseignement, mais aussi d'habitat ou d'hébergement voilà, dans la pente. Mais aussi, par exemple, et je n'ai pas l'image ici, c'est que dans Pantin, eh bien, il y a un ancien élève de Perret, Honegger, qui a construit des logements aussi avec un système tramé de poteaux-poutres et de remplissage qui était présent dans nos têtes. Mais on l'a découvert, en fait, on s'en est rendu compte un peu a posteriori, et c'est ça qui est bien. Alors, finalement, au fond, ce qui était intéressant pour nous, c'était que le changement de territoire nous est permis, malgré tout, de poursuivre des réflexions liées aux infrastructures. Et donc, comme dans les Alpes-Maritimes, ces infrastructures de routes, de soutènement, de ponts, d'autoroutes nous avaient inspirés, eh bien là, ce concours parlait de tout ça en proposant de concevoir un bâtiment d'un gymnase qui franchisse le périphérique à Paris entre la porte de Doré et la porte de Vincennes, mais aussi qui viennent, à travers un programme de logement étudiant, enjamber et chapeauter le petit bâtiment qui est à droite, qui est une sorte de hangar en béton d'entretien de la RATP. Voilà, donc c'était intéressant de composer ce travail avec les architectes Bourbouze et Grindorge, qui était en charge des logements étudiants, qu'on voit à droite sur cette image, et de fabriquer un bâtiment pont. Alors, la Méditerranée n'est pas là, l'horizon n'est pas là, et la mer non plus, mais pourtant, voilà,
C'était finalement de fabriquer deux piles en ski, pour le gymnase, deux piles et avec des poutres voilà, qui viennent tenir en console un plancher. En fait, c'était de construire exactement à l'envers, de faire d'abord les piles, ensuite ces poutres en attique qui viennent suspendre le plancher, ce qui permettait en fait d'avoir un plancher très fin et de ne pas bousculer surtout et de respecter le gabarit et l'épaisseur du pont existant. Pour ne pas avoir de décalage de niveau. Voilà encore ce projet. On voit à droite la pile qui va tenir les poutres. Alors, ce qui est particulier, vous voyez, c'est que changer de territoire, c'était là aussi de revisiter un peu, de se reposer des questions sur la nature du Hasfound. Et dans le projet de Saclay, finalement, en fait, on était très largement dans un lieu, je dirais, presque champêtre. Sur le projet du gymnase Pont, eh bien, on se retrouve dans une espèce d'intensité urbaine. Après, il y avait la question de la banlieue. Et à travers ces deux projets, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de traduire, consciemment ou inconsciemment, la dimension hybride, voilà, de toute la ceinture autour de Paris, de la banlieue. C'est-à-dire qui est très intéressante parce qu'elle véhicule des échelles très différentes. Et ce mélange d'échelles, cette confrontation des échelles, et là aussi une sorte de nourriture, vous voyez, complexe, mais que nous avons essayé dans ces deux projets, donc dans ce projet-là, et je vous en montrerai un suivant après, de fabriquer, c'est-à-dire continuer à véhiculer au fond nos propres recherches, c'est-à-dire voilà, vous voyez, c'était un bâtiment avec des très grands portiques qui suspendaient les planchers et qui ménageaient un préau dessous. Donc, c'est-à-dire de continuer à réfléchir sur la question de la structure dans ce nouveau paysage de la banlieue, mais on rencontre justement effectivement toutes sortes d'échelles dans la banlieue et qui est capable d'accepter ça. Et en même temps, avec l'échelle basse, qui est en l'occurrence là une série de programmes complémentaires, voilà, des programmes partagés, puisque dans le bâtiment linéaire suspendu, eh bien, c'était plutôt les classes, et eh bien là, c'était tous les programmes partagés. Cette rupture d'échelle, elle est tout à fait intéressante, quand en plus, elle peut s'appuyer aussi sur une dimension, une relecture programmatique. Voilà. Et on a poursuivi cette recherche de l'hybridation dans le concours de la Maison du numérique à Sarcelles, où voilà, là aussi, l'objectif était de manier deux échelles, une nappe et deux langages aussi, c'est-à-dire la nappe architecturale, structurelle, voilà, qui va, au fond, fabriquer une typologie, une morphologie particulière de salles qui étaient éclairées d'ailleurs par la toiture. Et puis à gauche, on voit un programme de bureau qui vient comme ça se greffer sur cette première expression. Et donc, voilà, sur cette image-là aussi, on voit la nappe qui est, comment dire, sur laquelle vient se greffer, s'insinuer le bâtiment des bureaux de la maison du numérique. Voilà, c'est-à-dire accepter, peut-être se dire, on n'est pas là pour rajouter, au fond, peut-être, oui, on est là pour rajouter un bâtiment de plus, mais c'est peut-être pas un objet. C'est quelque chose de plus complexe, c'est quelque chose qui vient entrer en résonance avec, au fond, une certaine complexité et hétérogénéité de l'existant. Et c'est ça aussi qui fait le très très grand intérêt de la banlieue.
Alors oui, le déjà là, le trouver, c'est aussi un univers mental de référence. Parce que voilà, on ouvre les yeux, on regarde, comment dire, on digère, on oublie, on en garde le parfum. Et puis, mais c'est pareil avec la culture architecturale au fond. Je m'adresse aux étudiants, là, vous verrez, vous allez voir beaucoup de choses, peut-être que vous oublierez, et puis qu'à un certain moment, vous retrouverez qui reviendront à votre esprit, voilà, au détour du chemin, de manière inattendue. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Et c'est pour ça que, à travers l'action de la référence, il faut aussi faire attention, parce que peut-être, et comme le dit le philosophe Giorgio Agamben dans son très joli opuscule Qu'est-ce que le contemporain? Voilà, c'est de pas regarder. Alors voilà, il faut regarder l'actualité, c'est vrai, mais aussi parfois il faut quand même la regarder avec un peu de distance. Et c'est pour ça qu'il dit celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui, ni n'adhère à ses prétentions, et se définit en ce sens comme inactuel. Et précisément pour cette raison, précisément par cet écart et cet anachronisme, il est plus apte que les autres à percevoir et saisir son temps. En gros, c'est de dire que le contemporain, c'est l'inactuel. Et que donc, on a toujours du mal à avoir un recul sur ce qui se passe, sur le moment présent. Et que donc, voilà, c'est intéressant de porter aussi, voilà, un regard plus distancié, mais aussi sur des exemples plus anciens. Cela, mais je précise bien que cela ne veut pas dire qu'il faut pas regarder ce qui se fait dans l'actualité. Mais voilà, toujours essayer de se dire que, eh bien, on a un tout petit peu besoin de distance pour en apprécier aussi toute la justesse. Et c'est pour ça, par exemple, sans être là trop caricatural, je vous montrerai ce bâtiment qui nous est cher, et toute l'œuvre d'ailleurs de Terani, c'est la Casa del Popolo à Côme, ou appelée Casa del Fascio. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un bâtiment qu'on avait regardé il y a bien longtemps, voilà, au début de CAB, et qui nous a influencé, par exemple, sur ce projet. Voilà, donc, qui est assez ancien, qui date de 2004, où dans ce chaos urbain, dans cette sorte de frontalité bâtie très dense, cette grande densité bâtie, c'était de dire à un moment, voilà, on s'adresse au grand paysage et à la mer en face, comment on peut, est-ce qu'il faut être dans l'anecdote, ou est-ce qu'il faut être dans l'abstraction et dans la grille. C'était un des premiers projets de grille qu'on avait réfléchi et qui voulait, qui était à la fois issu d'un souvenir, hein, voilà, du travail de ce très grand architecte italien, mais aussi, au fond, de la raison du lieu, c'est-à-dire de se dire de ne pas venir rajouter de l'anecdote à l'anecdote, mais à un moment, au fond, d'essayer d'être un tout petit peu dans l'abstraction du dessin d'une façade, et qui soit aussi, au fond, puisqu'elle correspond parfaitement à son plan, qui soit l'expression de la structure intérieure et des logements. Pareil aussi dans ce projet d'internat qui faisait partie d'un projet plus grand de restructuration d'un lycée, où la relation entre la grille et le plein avait été voilà, consciemment ou inconsciemment influencée par une culture architecturale. Et si je vous montre ce bâtiment, alors là, je pense que c'est le contraire, dans le sens où c'était totalement inconscient, puisque ce bâtiment, on l'a découvert un peu plus tard, bien plus tard, beaucoup plus tard même. Mais voilà, on avait, bien plus tard, même après avoir fait ce bâtiment, qui était donc des logements étudiants à Paris, rue Darot, où on venait réfléchir à la question du pignon, du plein, et puis du rapport entre l'existant qui se trouve derrière, la relation de la notion de proue, mais avec ce bâtiment en proue aussi. Donc, c'est des familiarités comme ça, qu'on redécouvre après, et qui font partie
des bonnes, voilà, des surprises drôles. Et donc voilà, donc je finirai aussi par la question, voilà, du déjà là et de cette matière qui existe. Eh bien, il arrive que cette matière, ça soit le lieu et que finalement, la matière du projet, ça ne soit pas le site, ça ne soit pas le programme, mais ça soit une préexistence. Et donc, dans ces cas-là, comme à travers les photos, il s'agissait de restructurer, de revisiter des bâtiments qui se trouvaient autrefois vraiment presque sur la berge de la plage à Nice, bâtiments sur lesquels les toitures étaient accessibles. On voit avec cet ancien escalier qui a depuis disparu, où donc les promeneurs qui justement ne voulaient pas marcher sur la berge et pouvaient avoir une vue un peu légèrement surélevée sur la mer pouvaient monter. Et donc voilà, après, voilà, la ville s'est constituée, la promenade des Anglais. Et vous voyez cette double petite barre qui était d'ailleurs, au départ, faisait partie vraiment du plan d'urbanisme des urbanistes turinois qui avaient donc dessiné la place Garibaldi et la place Masséna. Et donc voilà, c'est de requalifier cet élément. Et donc ça, voilà, c'est une vraie matière à projet sur laquelle donc on avait pu travailler, notamment la nettoyer, lui redonner du sens à travers pas mal de soustractions, mais aussi de redonner la possibilité de monter sur ces toitures. Et c'est ce qu'on voit ici, et de refabriquer des sortes d'éléments de plateformes programmatiques pour redonner une raison aussi et un sens au fait de faire monter des gens sur une terrasse hein, comme un lieu public surélevé, et on sait très bien que c'est toujours difficile à faire fonctionner. Et donc voilà, et de retrouver des percées en simplement en nettoyant. Donc ce déjà-là, c'est la matière du patrimoine, hein. C'est du patrimoine en attente d'être revisité, d'être transformé, d'être redécouvert et re-révélé. Et donc bon, pour finir, voilà un dernier projet à partir là aussi d'un concours de inventer la métropole. Excusez la qualité de la photo, mais de l'ancienne école d'architecture de Nanterre, qui donc attendait, était le sujet de cette consultation où on devait à la fois programmer, mais ça c'était donc une équipe avec des opérateurs, des programmateurs, etc., et programmer, mais aussi trouver, vous voyez, comment continuer l'histoire d'un tel bâtiment qui était un bâtiment tout à fait voilà qui était un bâtiment tout à fait intéressant d'une structure voilà en acier de l'époque proliférante, vous voyez, avec des géométries un peu basse géométrique qui va comme ça se décliner et fabriquer eh bien des bâtiments un peu organiques avec des patios avec là aussi des sursols, des imbrications, tout. Et donc voilà le plan, donc toute une époque, les années 70. Et à partir de là, eh bien nous étions partis de la géométrie, vous voyez, parce que c'était finalement au fond aussi beaucoup comme matière, comme déjà là, comme trouvé, c'était la géométrie, et de partir de cette géométrie, de l'extruder en se décalant à 45 pour fabriquer des plateaux plus grands. Et à partir de là, vous voyez, voilà, extruder une nouvelle matière, mais parfaitement en respect et en accord aussi avec le travail qu'avait fait l'architecte Jacques Callis dans les années 70. Et donc, vous voyez, de venir comme ça, de manière presque invasive, mais respectueuse, sur ce projet. Voilà. Et donc, pour finir, voilà, je conclurai, je pense que j'ai tenu juste 1 heure. Voilà un texte qui est issu d'un petit opuscule aussi que le sculpteur Eduardo Chillida avait fait, où il explique un peu, il raconte sa manière d'aborder son propre travail. Et ça, c'est vrai que c'était une citation qu'avait trouvée Bita Nazimi, et qui nous avait aussi
conforté et porté, puisque voilà, on l'avait trouvé il y a pas mal d'années. Alors je vous la lis, c'est quand j'attaque une œuvre en liberté totale, parce que je suis totalement libre, étant donné que je n'ai pas un projet final, je n'essaie pas d'avoir cette forme ou une autre forme à ce moment-là, mais je sais quel est l'arôme de cette forme. Et alors, c'est ça la chose étrange. Et moi, je la connais et je ne sais pas comment elle va être. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre patience et votre écoute. Merci beaucoup Jean-Patrice. Eh bien, écoute, merci également à Lulu hein, pour son intervention. Voilà, alors voilà, écoutez, là, c'était du direct, cher Walter. Voilà, Lulu était en train de boire. C'est l'objectif de, voilà, de nos réunions. Hein. Tous les participants sont les bienvenus et intervenants sont les bienvenus. Bon, encore un grand merci Jean-Patrice. Pour cette belle démonstration d'une aventure, on peut, je pense, l'appeler comme ça, hein, de cette agence Trio, qui est établie depuis plusieurs années déjà, hein, je pense, avec tes démonstrations, une recherche quand même d'une architecture, un peu d'une neutralité de l'architecture, hein, qui doit répondre à des contextes, à des territoires, une architecture qui s'efface pour révéler le lieu. Et qui fait plus des fois penser à un paysage à habiter qu'à un bâtiment que tu nous révèles dans vos productions. Alors pour nous, c'est extrêmement intéressant et enrichissant, puisque c'est vraiment voilà, comment est-ce qu'on fabrique avec un déjà là. Je pense que c'est une question aussi que l'on se pose tous, hein, la juste mesure des choses. Je pense que ça nous a ouvert un peu des façons de voir comment s'implanter dans un existant, s'implanter dans un territoire, travailler avec le déjà là. Je pense que le fait, et tu nous l'as absolument bien illustré dans les premières productions de l'agence, dans ce parfum un peu niçois, territoire, avec l'archétype de la restanque, hein, l'élément qui vient permettre finalement d'arpenter un terrain difficile et finalement pouvoir habiter ce lieu en permettant de créer finalement toute une posture hein, d'admiration du paysage grâce à ce dispositif qui permet de vivre finalement cette topographie. Je trouve que c'est un petit peu toute la difficulté, des fois très littérale, hein, de dire mais comment est-ce qu'on intervient avec l'existant? Qu'est-ce que l'on conserve? Qu'est-ce que l'on transforme? Qu'est-ce que l'on crée? Je crois que c'est une question en tout cas que j'aimerais lancer, et puis un petit débat, hein, les étudiants, je pense, à vous de réagir, hein. C'est la difficulté que l'on a, nous également, dans un contexte urbain, qui des fois, on le voit dans certains projets, sont, on va dire, des friches, des espaces, des lieux abandonnés. On le voit, hein, dans vos productions, vous prenez des fois, assez largement l'échelle du territoire que vous ramenez peut-être localement et vous faites des propositions, qui permettent de créer un lieu, qui s'insère dans un territoire, hein, et qui, justement, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. À des moments, le fait d'édifier des lieux et donc de composer et de fabriquer. Voilà, encore merci pour ta présentation et ce très beau cheminement à travers l'aventure de l'agence CAB. Voilà, je laisse la parole aux étudiants si vous souhaitez réagir et poser des questions à Jean-Patrice, voilà, qui malheureusement ne va pas pouvoir rester avec nous toute l'après-midi. Donc profitez-en. J'ai une petite question, je ne sais pas si elle sera très très claire, et je ne sais pas si je vais avoir vraiment bien compris comment vous travaillez, mais quand vous parlez de vos projets et notamment du paysage niçois, vous évoquez beaucoup l'essence au travers d'un parfum. Et donc, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup avec l'attache que vous avez au territoire, donc aussi avec vos souvenirs sur les lieux, vos souvenirs attachés à la mer.
Mais ma question, c'est du coup, quand vous travaillez du coup en région parisienne, comment vous arrivez avec un protocole du coup pour faire du projet, à vous créer de l'attache au lieu. Je ne sais pas si c'est très clair ce que Oui, j'ai dit. c'est très clair, mais il me semblait par contre l'avoir dit. Donc peut-être que j'ai mal exprimé, été assez clair. Non, ben, effectivement, quand on a changé de territoire, et donc par exemple dans les deux ou trois exemples ou quatre que j'ai donnés de bâtiments réalisés ou alors de concours, ben, voilà, c'est re-questionner un peu le déjà-là. Et donc par exemple à Saclay, le déjà-là, c'est le plateau de Saclay. C'est-à-dire un grand plateau vide, comme ça, enfin vide. Il y a des bâtiments, mais voilà, un grand plateau. Donc, cette idée de plateau, de plat. Donc, il y a plus, voilà, il y a plus d'accroche. Mais par contre, il y a un grand ciel. Il y a la lisière avec la vibration des arbres. Il y a finalement, voilà, un peu ce contexte champêtre. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur un bâtiment qui était un bâtiment, voilà, métallique, comme un gros pavillon posé, comme ça, dans un parc. Et dont l'exostructure vont un peu résonner, entrer en résonance avec les arbres. Et puis, comme je disais, il y a un air, l'air était différent. C'est-à-dire, il y a une dimension d'air qui est plus brumeux, voilà, et et aussi une lumière différente. Et donc, on a travaillé en filigrane. C'est-à-dire, tu appelles ça les protocoles, le projet. De toute façon, voilà, rien n'est aussi caricatural que je le dis, hein, bien sûr. Mais il s'agissait là de fabriquer au fond un bâtiment qui puisse être extrêmement souple et flexible, d'où cette structure en métal, de aussi travailler avec une exostructure qui dessine la façade et qui vienne comme ça, tu vois, rentrer en écho avec ce paysage du plateau et où toute cette ce travail, voilà, cette lumière particulière, cet air particulier, cette brume, comme ça, viennent jouer avec finalement une structure un peu arachnéenne. Voilà, donc ça c'était un des aspects. Mais évidemment, il y en a bien d'autres, hein, qui sont liés au programme, qui sont liés justement à d'autres types de références, on voulait continuer ce travail qu'on avait pu faire sur les bâtiments agri que montrer, c'est-à-dire on travaillait sur la trame, quoi. Et la trame qui se projette en façade. Et puis, par exemple, à Paris, quand on fait ce concours d'un bâtiment pont, c'est pas nous qui avons choisi le lieu, c'est pas nous qui avons choisi le programme, mais par contre, il se trouve par chance que, eh bien, ça vient corroborer ce travail sur la grande portée et le franchissement qu'on avait pu faire dans le sud. Donc, ce que je veux dire, voilà, c'est que voilà, le territoire. Après, on peut, voilà, c'est montrer aussi qu'on peut être, on peut construire tout. Voilà, les architectes sont en capacité. Nous, on était là-bas, mais après, quand on est ici, voilà, on a d'autres, voilà, d'autres images, d'autres ressentis qui arrivent et qui sont, enfin, c'est ça que j'ai essayé d'illustrer. Okay. Très bien. Peut-être pour poursuivre ta question, Romain. Bonjour Jean-Patrice. Il y a deux Magali Bonjour, Yannick. Paris. J'ai un dédoublement de personnalité, comme tu peux le voir. Oui, ben Genré en plus. d'accord. Donc c'est très grave. Il faudra que je consulte. Donc pour poursuivre la question de Romain, il me semble que cet attachement et cette sensibilité que tu développes, tu la développes notamment par la question de la représentation. Tu nous l'as bien exposé en mobilisant des peintures, des dessins dans ce que tu proposes, donc en t'attachant à la production d'artistes et toi-même en dessinant. Donc tu nous en as pas forcément parlé, mais je suis avec attention à ton blog, Les dessins de Jean-Patrice, où on arrive à voir des morceaux de ton architecture dans l'expression même du dessin que tu peux faire, dessin d'annotation ou dessin plus sensible. Donc, il me semble qu'il y a cette dimension-là qui est quand même assez forte dans votre travail. Et c'est vrai, c'est assez juste ce qu'il a dit, Romain. Dans ce déjà-là, il y a une notion d'attachement qui est assez forte pour arriver à le comprendre, à s'ancrer, à prendre racine finalement dans ce déjà-là et puis l'absorber, le transformer pour le faire sien finalement. Donc ce process, il me semble assez présent dans ce que tu proposes et s'articuler avec la notion de défi qui est souvent très présente aussi. La portée, c'est un défi, la trame et le programme, c'est des défis. Donc cette articulation-là,
entre une pensée créatrice qui s'inspirerait d'une attention sensible que tu vas porter et de toujours aller plus loin en prenant appui sur ce qu'on a déjà fait, mais pousser encore plus le défi quoi, pour avancer et pour toujours faire mieux. Alors moi, j'avais une question en me disant, si tu avais 3 conseils à donner à nos étudiants donc, qui sont actuellement en train de plancher sur la cellule d'habitation, mais on les force à être pas forcément que sur le dedans et à toujours s'articuler au dehors et à ce qui est autour, à l'existant, pour travailler du début jusqu'à la fin, cette question du déjà-là. Si on revient sur les Smithson et le Hasfarm, où l'idée c'est que l'ordinaire, le quotidien, des choses qui a priori ne mériteraient pas une attention particulière de la part des concepteurs, mais là tu nous dis si, ces choses-là on va les regarder autrement, et notamment par cette attention à l'art, on va les regarder autrement et ils vont être porteurs d'une pensée créatrice, et c'est à partir d'eux qu'on va faire. Donc quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à nos étudiants, ou 2, ou 1 seul, ou 10, je ne sais pas, comme tu veux, et que tu peux donner au tien, disant qu'est-ce qu'on peut prendre de ce Hasfarm pour arriver à penser l'habiter d'aujourd'hui et surtout de demain dans les projets qui sont en train de développer. À quoi il faudrait porter attention? Qu'est-ce qu'il ne faudrait vraiment pas louper, vraiment pas passer à côté de certaines choses selon toi? Voilà, c'est peut-être une question un petit peu compliquée. Si certains l'ont comprise et veulent compléter ma question, n'hésitez pas. Et s'il faut que je la reformule, je le refais, bien sûr. Oui, bah c'est compliqué parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas de recette. Comme conseil, je veux dire, c'est... Quand on regarde aussi, quand on démarre un projet, eh bien, au fond, on a plein de documents à sa disposition. Voilà, un plan du quartier. Après, il y a des photos qu'on a pu prendre ou Google Earth. On peut aller sur place. On peut ne pas y aller sur place aussi. Vous voyez, c'est un choix personnel. On pourrait croire que, vous voyez, cet attachement dans tous les projets fait que, ben, il y a certains concours, je ne suis pas allé sur place. Donc, ça peut être un aveu terrible. Et pourtant, voilà, je me suis accroché à moi parce que je ne pouvais pas, ou je me suis accroché à d'autres choses, d'autres lectures. Et d'abord, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur du mauvais projet. C'était Vakini qui disait qu'il faut vivre longtemps avec un mauvais projet pour trouver le bon. Voilà. Donc on ne tombe pas tout de suite, voyez, sur le bon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'a priori, un projet, c'est sur un certain temps. Voilà, et qu'à un certain moment, la synthèse des choses fait que tout d'un coup, il y a des choses qui se crantent entre elles et qu'on arrive à trouver la bonne carburation. Voilà. Bon. Je pense qu'il faut être ouvert et voilà, ouvert à effectivement à la banalité, parce que vous voyez, les projets que j'ai montrés, ils ont un côté parfois exceptionnel, dans le sens, attention, je dis pas que c'est l'architecture exceptionnelle, c'est dû parce qu'à cause des sites, on est d'accord, c'est que c'est vrai que c'est finalement voilà, franchir, etc., c'est particulier, mais ils sont quand même malgré tout le reflet, voilà. C'est un attachement, c'est déjà, c'est beaucoup, mais d'un regard, un regard un peu particulier sur ce qui nous entoure. Et donc, pareil, quand je vous disais tout à l'heure, la banlieue, c'est un lieu extrêmement intéressant parce qu'il y a peu d'exemples dans les villes, c'est des tissus constitués avec des réglementations. Bon, ben, en banlieue, il y a quand même eu, vous voyez, des chocs entre les échelles, et c'est ça qui est tout à fait intéressant pour fabriquer, voilà, des là pour le coup une hybridation des échelles, et donc quand vous allez voilà de regarder un peu tout, ça peut aller du détail mais du global, de ressentir la poésie des lieux, donc je vous dirais voilà, soyez les poètes de vous-même. Deuxième conseil, écoutez-vous, voilà, écoutez ce que l'un ressent, c'est pas ce que l'autre ressentira,
Et donc, cette vision personnelle, elle est importante. C'est ça aussi qui fait que vous ne serez pas dans la copie, vous serez peut-être dans l'inspiration de l'actualité ou de tout, mais vous serez aussi dans vous-même en vous faisant confiance sur les choses que vous pouvez percevoir à travers comme des gens qui enquêtent et qui regardent un peu ce qu'il y a autour d'eux. Et après, c'est vous qui définissez le champ. Vous voyez, il y a le site du projet, mais il y a ce qu'il y a autour. Mais comme le disent les Smithson, voilà, ça, c'est pas que les édifices, c'est autre chose. C'est une réflexion personnelle d'un être humain qui habite en ville, qui a une vingtaine d'années et qui donc peut nourrir son travail par son propre vécu. Et ça, c'est très important, voilà. Après, sinon, la troisième conseil, c'est courage. Parce que il faut le projet, ça prend un peu de temps, un bâtiment, ça prend du temps, voilà. Il faut être patient, mais en même temps très enthousiaste, parce que il n'y a pas de quoi se désespérer. Jean-Patrice, t'es quand même extrêmement bon, t'as tenu une heure. Tu réponds aux trois questions par trois réponses. Non, mais formidable. Bon, merci beaucoup. Super. Un timé sublime, très précis. Bon, vous l'avez compris, hein, je pense que c'est, y a pas de formule magique. Hein. Je crois qu'il y a une chose que nous illustre quand même ton intervention. Je trouve ça assez bien aussi pour vous, hein, que vous puissiez... cultiver aussi votre propre regard. On a vu à un moment, hein, tu racontes très bien les histoires, le trio CAB raconte très bien des histoires et on voit un projet, c'est une histoire. On part d'une sensibilité personnelle et l'on construit selon presque une fiction, hein, une narration qui va être un jeu entre un existant, un système constructif, un programme. Vous voyez, c'est une alchimie qui n'est pas forcément littérale, où l'on puise de manière différente dans les ressources que l'on cultive, hein, Jean-Patrice, tu le dis, hein, qu'on ne cultive pas forcément littéralement dans le champ référentiel de l'architecture. On peut se nourrir, et vous, vous nourrissez beaucoup. Je pense au-delà de manière littérale à répondre, on va dire, à l'atmosphère niçoise dans vos projets. Vous avez juste exercé une sensibilité par rapport au lieu que vous avez arrivé à orchestrer dans vos projets. Et au final, c'est, comme tu le soulignes, hein, cette émotion personnelle que l'on peut avoir quand on arpente un lieu, quand on est dans une situation, avec des fois des situations... On va même le dire, hein, qui ont l'air plutôt merdiques, on ne tombe pas forcément sur des beaux sujets. Et c'est toute notre capacité peut-être à rêver, à retraduire ces premières sensations, peut-être à un moment donné les exacerber, les changer, peut-être pour traduire l'émotion du lieu, mais qui peut être inexistante, très personnelle. Et c'est cette alchimie-là, en fait, qui nous permet de faire du projet, de faire des propositions. Donc il ne faut pas avoir peur à un moment donné d'exercer que dans une dimension littérale des choses. Il n'y a pas une réponse en fait simple et unique dans un lieu avec un existant. Il y a de multiples, on va dire, visions, sensibilités. Il suffit juste à un moment donné d'arriver à créer ces émotions, de les remettre et de ne pas oublier justement ces émotions, de ne pas oublier qu'on est là pour fabriquer ces émotions. Oui, tout à fait. Mais par exemple, vous voyez, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est pas parce que on voit des ponts qu'on fait des ponts. Ouais, c'est juste qu'à un certain moment, à un moment, on fait du projet. C'est vraiment du projet, c'est-à-dire régler des problèmes. Vous voyez, régler des questions qui vont arriver très spécifiques. Mais quand même, c'est de garder le parfum. Par exemple, c'était de dire, allez, on n'a pas peur. On va faire un bâtiment poutre qui franchit 25 mètres. À un moment, il faut se le dire, parce qu'on sait très bien que ça va être compliqué, que ça va être cher, qu'il y aura peut-être, mais on le fait au concours, mais on prend un risque, vous voyez. Donc, c'est peut-être se dire à un moment, bon,
OK, c'est quand même la nature des lieux qui pourrait suggérer ça. Donc, faisons-le, voilà. Donc, ce n'est pas de la forme pour la forme, ce n'est pas de la performance pour la performance, mais à un moment, et voilà, il faut se mouiller. Et donc, bon, c'est ça. C'est aussi de se dire, c'est assez juste, voilà. Mais tout, et donc, là, si on avait été dans les Alpes, on aurait fait des trucs voilà, qui avaient un rapport. Mais en même temps, ce n'est pas parce que, vous voyez, qui aurait été totalement identique, comment dire, totalement, qui aurait pu totalement s'identifier à une région spécifique. Parce qu'à un moment, justement, tout ça est matiné. D'abord, bon, Babita Azimi, elle est iranienne. Elle, voilà, la question aussi environnementale, la question de la structure aussi, ça l'apporte, ça lui, ça, voilà, Walter et Magali le savent, bon, voilà, ça l'a porté beaucoup. Donc, il y a, voilà, c'est, aussi, on est trois, moi, si vous voulez, c'est pour ça que les influences, elles ont été croisées par des parcours différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'après, voilà, ça mélange les influences dans un collectif. C'est ça qui est intéressant dans un collectif, c'est qu'après, au fond, finalement, on ne sait plus qui a vraiment dit quoi. Et c'est pas plus mal parce que voilà, ça donne une espèce de recul aussi par rapport à son propre travail. Et voilà, c'est cette espèce de vous voyez, de mixité ou de mélange des choses qui fait que ça donne un, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un arôme, parce qu'au fond, après, on sait plus trop d'où ça vient, vous voyez. C'est pour ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que d'autres étudiants ont des questions à poser ? J'avais juste une petite question, c'est possible ? Bien sûr. Merci pour la présentation et pour cette discussion. Moi, c'était un peu plus précis, c'était sur le projet de la salle de futsal. Vous avez parlé de la rivière qui passe à côté, vous avez parlé rapidement des crues. On a vu récemment, dans le sud de la France, beaucoup de crues. Moi, c'était voilà, ma question, c'était de savoir quelles sont vos pensées pour bâtir et habiter avec les crues, si c'était possible, si vous avez plus une pensée un peu comme les Japonais à dire voilà, on vit avec, et puis si ça détruit, ça détruit. Et où est-ce que il y avait vous mettez en place des dispositifs pour éviter ce genre de choses. Voilà, merci beaucoup. Oui, c'est une question tout à fait intéressante et contemporaine. C'est vrai que si on retourne il y a 5 ans en arrière, bon, les crues, il y en a. Bon, la gestion du risque, elle a toujours été présente dans ce département. Et donc, il y avait la crue centennale, la crue millénaire. Donc, voilà, la possibilité de quand même évaluer les niveaux de risque. Bon. Et vous avez, voilà, il y a toujours eu des inondations, mais dans ce département, vraiment, ce qui s'est passé il y a quelques temps de ça, ça n'était jamais arrivé. Et donc, on voit bien qu'il y a une accélération et une dégradation du climat et voilà, une espèce de perte de repères qui fait que. Voilà, ça n'existait pas, ça, vous voyez, il y a 5 ans, on n'en parlait pas, quoi. Donc là, maintenant, je parle dans deux départements, bien sûr, il y avait des départements qui ont subi des crues. Et là, donc là, on commence à avoir une autre approche. J'imagine que ça va vraiment beaucoup, ça a marqué des esprits. Et par rapport à ce bâtiment, ben, nous, on s'était mis, si vous voulez, exactement au niveau minimum du PPRI, donc c'est du plan de protection des risques et des inondations. Et donc, pour trouver une relation à la rivière, c'était de dire un moment, parce que c'est le seul bâtiment pratiquement de tout le long de la rive de ce fleuve, c'est le seul bâtiment qui a un rapport avec son fleuve. Et donc, on trouvait que c'était quand même assez aberrant qu'il n'y ait pas de relation. Alors, entre-temps, il y a cette crue. Donc, on pourrait dire que s'il y avait la même chose qui se passait avec une ancienne, on est au niveau critique, on est au-dessus du niveau critique. Et alors, imaginons qu'il y ait une crue, bon, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben, l'eau va rentrer dans la salle, elle va décoller le sol souple, elle va inonder les vestiaires. Bon, ben voilà, après, c'est tout ce qui peut se passer parce que le bâtiment, il ne bougera pas. Et donc, sa résilience, elle est totale parce qu'il est conçu justement, vous voyez, comme une infrastructure.
Hein, c'est comme on a creusé un peu une marche dans le territoire, dans le terrain. On a inséré ce bâtiment. Il est fondé, voilà. Eh bien, l'eau, c'est un peu, voilà, rentrera comme dans un petit port et puis repartira. Donc, de ce point de vue-là, il risquera rien. Il sera résilient parce qu'il sera résistant dans sa structure. Donc, il sera pas comme les Japonais qui vont au fond, se dire, ben voilà, tout sera emporté, on reconstruira, et qui ont aussi la même vision du patrimoine, c'est-à-dire, voilà, le patrimoine est reconstruit tous les 100 ans ou tous les 300 ans. Voilà, ben là, c'est non, là, c'est plutôt résister. Et rester là en résistant, voilà. Mais c'est une question très intéressante que tu as posée. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Parfait. Eh bien, encore merci, Jean-Patrice. Je pense qu'on va te libérer pour pouvoir continuer cet après-midi en suivi avec les étudiants. Eh bien, écoute, passionnant, hein, surtout ce cycle un petit peu de discussion autour, voilà, d'une question aussi contemporaine. Hein. Et on le voit pour notre deuxième année, un exercice de conception architecturale, hein, premier exercice de conception aussi avec le site et avec l'existant. Encore merci. Mais écoutez, mais merci, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Magali. Merci. Merci Walter. Et puis merci les étudiants de m'avoir écouté. Et puis bah, écoutez, travaillez bien et profitez. Profitez surtout. Voilà. Merci à toi. À bientôt, Jean-Patrice. Au revoir.